Salut tout le monde, c'est Rémodise. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais démonter mon Huawei P8.5. Donc je vais commencer par démonter le haut, que j'ai déjà préalablement desserré, comme toutes les vis du châssis, justement pour savoir si mes outils n'allaient pas foirer. Moi, c'est pas des outils adéquats que j'utilise, c'est pas des spécial modélisme. Ça fait qu'il s'allume assez facilement et s'allume aussi en filetage de ma vis. Ma tête de vis. Hop là, j'enlève les ronds. On va démonter, je vais démonter le train arrière. Donc, j'ai déjà préalablement enlevé le renfort arrière du châssis. Si je fais pas, c'est embêtant. Il y a encore quelques BTR qui ne veulent pas se retirer. Les BTR que j'avais utilisé tout à l'heure, je l'ai mis. C'est celle-ci. No. Celle-là. Ouais. Celle-ci. C'est toujours pas celle-ci. Ah, celle-là alors. Les vis sont un peu dures. Hop. Les vis dans une boîte. Le câble que vous voyez, c'est le câble de charge de la GoPro. J'espère que vous m'entendez bien. On retire le pare-choc qui est un peu dur. Voilà. Le pare-choc est retiré, pare-choc arrière. Maintenant, vu que tout n'est pas d'origine sur la voiture, heureusement, j'utilisais des autres vis. Je vais prendre la visseuse. Comme je disais, je puisse plein d'outils différents. Heureusement. Pour démonter la voiture, voilà. Okay. On va bien charger. Voilà. Alors, quel type de douille je vais pouvoir utiliser? Tout en espérant qu'elle va se retirer, sinon je dois juste retirer le train avant. Le train arrière, ben, je vais devoir démonter pour le démonter entièrement. On va faire ça un peu. Je repasse à vrai mail. Chier, ça va pas se retirer. Sans béton. On est sans foirer. Non. C'est embêtant. Bon, je vais pas pouvoir retirer le train arrière complet. Donc, je vais pouvoir démonter que la partie supérieure du coup. Ah, c'est très embêtant. Hop. Merci, je sais pas, mais qu'il faut.
plateforme. Ouais, quand je disais que j'ai pas d'outils adéquats, c'est pas pour rien. Alors, BTR qui est dessus. Très bien. Donc, tu vas voir. Ah, pas se serrer. Ah, ça y est, j'ai trouvé la bonne BTR. Bon, la vis est pliée. Ça, parce que avec les chocs arrière, forcément le châssis se plie. Or, c'est pas le châssis qui a plié, mais la vis. J'espère que vous voyez, moi, j'espère. Je sais pas ce que vous regardez. Je sais pas ce que vous voyez. Normalement, vous êtes bon, je suis pas trop sûr. Désolé pour parler, que je parle pas trop fort. Ah, ça y est, ça vient. Hop. Bon, on retire la vis qui va avec. Il faudra que j'essaye de redresse. Donc là, on enlève cette pièce-là que je retirerai tout à l'heure. Doucement après. Je vais retirer le spoiler, ça je vais pouvoir le faire à la visseuse. S'il n'y a aucun problème, il faut que je trouve la bonne douille. Alors, je pense que ça devrait être bon. Alors, voilà, ça c'est bien ça. Ça prend quasiment les deux. Pareil, je le démontrerai complètement tout à l'heure. Je vais enlever les suspensions. Donc, la BTR que j'avais tout à l'heure. Ici. Par contre, je le dis direct, la vidéo elle coupe tous les 15 minutes. Donc sur YouTube, ça va être en plusieurs fois. Comme vous allez le voir précédemment, quand je vais présenter, où j'ai présenté mes voitures RC, ça a été en plusieurs parties. Parce que la vidéo elle se coupait toutes les 15 minutes, pourtant ça a continué directement avec les GoPros. Donc ce ne sera pas vraiment une seule fois. Donc, j'espère que si. Pour ça, on verra. Là, j'avais mis le disque suivant parce que la BTR, je l'ai perdu. Il n'est pas sorti. Ouais, pas si vite que ça. Hop, voilà, les deux une. Normalement, je peux pas les extraire. Maintenant ici, je prends ma pince, que je vais cliquer ceci, on va venir desserrer. Yes. Ah, bien sûr, c'est pas se sauver. Mais je suis désolé.